les gens, c'est Chris Banks. Bien quoi les gars, tranquille bidou. Alors moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui sur GTA Online comme d'habitude. Ça fait 4 pigeonnés dessus. Et bon, on kiffe le jeu. Voilà. Pour tester les petites jantes, les drag SPL, c'est des jantes de muscle car. On les a mis sur la Pifter Comet Retro Custom. Voilà, bon. Comme tu peux le voir au niveau visuel, on dirait pas des jantes de muscle car, on dirait des jantes de sportives, mais bon, c'est comme ça, Rockstar il a décidé que c'était des jantes de muscle car, voilà. Faut savoir que pour le drift, les meilleures jantes, c'est les jantes de muscle car, les jantes de... comment ça s'appelle ? Jantes de lowrider et les jantes de SUV, voilà. C'est les seules jantes qui vraiment dérapent un petit peu, voilà. Même si là, sur celle-ci, je trouve qu'elles ont un petit défaut, c'est que elles accrochent un peu trop le bitume, tu vois. Mais au niveau du dérapage sur le contrôle latéral, franchement, c'est du lourd. Alors, pour le drift en lui-même, je pense que c'est pas les meilleures jantes. Mais pour les peut-être les courses de rallye ou quoi, où il y a des virages plutôt longs, mais quand même assez courbés, il y a moyen de s'amuser avec ces jantes-là. Voilà. Il y en a, ils vont te dire que non, que les jantes, ça fait rien du tout. Moi, je te conseille de tester, de voir. Tu varies, tu mets des jantes de sportives, des jantes de muscle car, des jantes de ce que tu veux. Et tu verras par toi-même que les jantes, ça y fait beaucoup sur le jeu. Tout comme les ailerons, tout comme les pare-chocs, tout comme plein de trucs, les freins, etc. Bon, ça, j'en parle pas maintenant parce que je comptais faire une partie 2 à comment drifter. Voilà, suite à la partie 1. Mais j'attends l'objectif de like, j'ai déjà dit d'ailleurs dans les commentaires, on m'a demandé à quand la partie 2, tu pourras nous dire comment customiser des voitures et tout. Mais les gars, je compte sur vous, moi aussi, mettez-moi des likes, parce que t'as eu le premier montage, c'est un montage, il m'a pris du temps, du travail. Faut que j'enregistre les gameplays, faut que je les monte, faut que j'écris sur les images, il faut que, voilà, il y a plein de trucs à faire, quoi. Changer les couleurs, les blablabla, voilà, tu connais. Donc les gars, moi, je veux bien. Y'a pas de soucis, moi ça me passionne, mais si les gars je compte sur vous, c'est pas parce qu'on est une chaîne adulte, tu vois, c'est vrai, que j'ai pas besoin de mes petits pouces, tout ça, je reste un youtubeur, voilà, j'ai besoin de plus de visuels les gars. On est comme les Spartiates, à où ? Voilà, je compte sur mes Spartiates. Il y en a quelques-uns, je pense à Warthog, à Darkwin, qui j'ai plus en tête. Il y en a quelques-uns qui interagissent, Venom, tout ça là, ouais. Ouais, un petit coucou à tout le monde les gars. Voilà, mais compte sur vous les gars. Continuez. Merci à ceux qui réagissent et pour les autres qui connaissent pas ou quoi. Je vous invite à lâcher le pouce si vous kiffez ce genre de vidéo. À regarder, à jeter un œil sur la chaîne pour voir si ça vous plaît ou pas et à vous abonner par la suite. Voilà. Tout simplement, il y a des montages de drift, des montages et ma série Vagos Locos. Il y a des fois des petits gameplays d'autres jeux. Voilà, c'est une chaîne gaming d'adultes. N'hésitez pas, d'ailleurs comme tu peux le voir là, j'ai pas coupé, c'est en continu, c'est sur une course, je suis resté presque 15 minutes dessus. Voilà, c'est pas les plus beaux drifts que j'ai fait franchement, les gens j'ai pas trop adhéré. D'ailleurs j'ai enlevé le turbo aussi sur la Pifter Comet, je sais pas si je vais pas le remettre ou pas, des fois je l'enlève, je le remets, ça dépend les jantes. Mais là pour le coup ça l'a pas trop fait, mais les niveaux visuels elles sont vraiment jolis, tu vois. Même pour la peinture les gars, n'hésitez pas, vous avez vu la voiture là, elle a une petite couleur bleu mat mixée au jaune pâle, tu peux pas le faire normalement. Je connais les glitches de peinture, je peux vous faire des peintures spéciales, des top 5, je sais pas quoi, il y en a qui font ça, mais bon, voilà. Vous me dites dans les commentaires et on voit ça. Pour les cars mythiques, pareil les gars, mettez vos gamer tag Xbox One seulement, désolé pour les Play 4 tout ça, mais bon on est ensemble quand même. Vous mettez dans les commentaires vos gamer tags et j'essaierai de créer un billet sur le Xbox One dans le club Vagos Locos TV que je t'invite à rejoindre aussi. Et on essaie de se faire ça les gars, qu'on soit pas 3 à 4 tu vois. Bon, avant je faisais tous les dimanches des petits rassemblements comme ça, mais le souci c'est que j'avais beaucoup de demandes, plus qu'il en fallait, j'en voulais que 16, il y en avait tout le temps une quarantaine. Mais le souci c'est que arrivé au jour J, les gens, c'est que bah, déjà les 3 quarts ils sont pas là. Et les autres, il y en a, ils cassent la tête. Moi, je veux pas des gens qui cassent la tête, s'il vous plaît, tu vois. On est là, vite fait, on se fait un cars meet, on rigole, on fait même un bédo. Et je fais un petit montage de ça, voilà. Alors, si t'aimes les trucs de drift, il y a plein de montages de drift sur ma chaîne. Regarde pas ceux qui ont le plus de vues, regarde les plus récents surtout. Tu vas voir qu'il y a des putains de montages comme Chocodori, tout ça. Voilà, j'ai parlé pendant 5 minutes. Au niveau des jantes, ben, je vais les enlever de la voiture, mais elles sont plutôt jolies. Voilà, on se capte plus tard, on se tire dessus. Thanks les gens, abonnez-vous les gars, j'en ai besoin, et lâchez le petit pouce, c'est la récompense.